Je n'ai plus beaucoup de temps, Elisabeth. La Terre se meurt. Les gens souffrent. Bientôt, ils mourront de faim. Tout ça à cause d'un système de terraformation hors de contrôle. Je suis la seule à pouvoir agir. La seule à avoir ton code génétique. On ne tardera pas à atteindre le point de non-retour. Et après ça, c'est la fin. Ça fait des mois que je cherche ce dont j'ai besoin. Une copie de Gaïa, l'IA que tu as conçue pour contrôler le système. Mais à chaque fois que je crois avoir une piste, ça ne mène à rien. Et chaque nuit, je fais le même rêve. Je marche dans la clarté de la lune, à travers un champ de fleurs. Et quand j'arrive, au centre, je te vois, Elisabeth. Tu m'attends, même si tu es morte depuis 1000 ans. Tu es ce qui se rapproche le plus d'une mère pour moi. Et pendant un instant, je me sens bien. Mais ça ne dure pas. Je me retrouve toujours seule. Le monde est ton héritage, Elisabeth. Je ne le laisserai pas disparaître. Cette vallée en contrebas est la seule piste qu'il me reste. Mon dernier espoir de trouver la copie de secours. Je ferai tout pour la récupérer. Je le jure. Varl ? Ah, mais voilà Aloy, la sauveuse de Méridian, l'élu des Nora. Tu sais que je déteste ce genre de titre. Alors, considère ça comme ta punition pour avoir filé le jour où on fêtait la victoire sur Hadès. J'ai grandi en Paria, tu te souviens? Je n'aime pas trop les fêtes. Ouais. Mais elle était en ton honneur. Enfin bon. Alors, on fait quoi? Ça doit être urgent pour que tu sois parti si vite. Tu t'es mise à fouiller des ruines? Ou bien tout ça a un rapport avec l'Aniel? Les deux, en fait. Mais... je dois... Oh non. Ça fait trop longtemps que je te cherche. C'est rien. Après tout ce que tu as fait pour aider les Nora et ma famille, j'ai fait le serment de t'aider, quoi qu'il en coûte. Je vais pas te lâcher. Comme l'écorce sur un arbre. D'accord. Mais si tu veux m'accompagner, il faut que tu puisses voir ce que je vois. Un focus? J'aurais jamais pensé avoir ton troisième œil. Je t'en donnerai un autre plus tard, et je te ferai copier tes données. Données? Les informations
De l'appareil, tu as beaucoup à apprendre. Je vais tout expliquer en route. Tu vois tout le temps comme ça? Depuis mon enfance. En route. C'est bon? Bon, j'ai récupéré des pièces sur le chemin. Il faut des plantes médicinales pour plus tard. C'est l'heure de ta toute première leçon de focus. Ça me va. On peut commencer. Ces plantes ne ressemblent pas à celles des terres sacrées. Le sol est teinté de rouge. La miel a dû le contaminer. Oh, je sais pas ce que je viens de toucher, mais c'est gluant. Je te crois sur parole. Qu'est-ce qu'on cherche au juste? La copie? C'est une IA. C'est dur à expliquer. Disons que c'est un ensemble d'instructions pour réparer le monde. Ça a l'air compliqué. Oh, des étincelles. Toujours en train de piller des carcasses de machines. Et elles s'en vont. On dirait qu'elles ont laissé une carcasse. Il y a beaucoup de flèches dans cette machine. Allons voir ça de plus près. Quelqu'un a abattu cette machine récemment. Qui d'autre viendrait ici? Je ne sais pas. On devrait se fabriquer quelques flèches. Ça risque d'être dangereux. Il y a des cannes de rivage près du ruisseau. Bon. Je dois fabriquer des flèches. Voilà. Moi aussi. Mes flèches sont prêtes. La niel ne s'en prend pas qu'aux plantes. Elle tue aussi les animaux. Et puis les gens tombent malades à leur tour et meurent de faim. On doit faire quelque chose. Par la déesse. Où est-ce qu'on est? Je ne sais pas. La transmission... Le message que j'ai trouvé ne le disait pas, seulement... qu'il y avait peut-être une copie. Il faut trouver une entrée. Alors? Qu'est-ce qui s'est passé après mon départ de Méridian? Il y a eu un peu d'agitation quand on s'est aperçu de ton départ. Et puis, on s'est dit que tu devais avoir une bonne raison de partir comme ça. Oui, c'était le cas. On va dans les ruines des anciens. Que la déesse nous protège. Ça va aller, Varl. Par ici. Bienvenue sur le site de lancement de Zénith Lointain. Zénith Lointain? Je sais qu'ils ont échangé des technologies avec Obzero, mais... pourquoi ils auraient une copie de Gaïa? Veuillez vous inscrire à l'accueil pour la visite. On dirait qu'ils veulent qu'on s'inscrive quelque part. Veuillez patienter pendant l'identiscan. Accès refusé. Un membre du personnel va venir vous aider. Docteur Sobek. Il n'était pas en bon terme avec Elisabeth. Bon, trouvons un passage.
Les humains, les Homo sapiens, nous. Nous avons toujours repoussé les frontières en tant qu'explorateurs, pionniers, initiateurs. Désormais, Zénith Lointain est notre prochaine étape vers le futur. C'est pourquoi nous sommes fiers d'avoir ressuscité l'Odyssée. Ce que nos gouvernements ont abandonné en orbite, Zénith Lointain le concrétisera en moins d'une décennie. Mais tout cela n'est qu'un début. Quand le vaisseau sera terminé, nous enverrons l'Odyssée et son équipage là où personne n'est jamais allé. Le système Sirius. Là-bas, nous pourrons créer la première colonie extraterrestre. Il faudra 300 ans à l'Odyssée pour l'atteindre. Mais lorsque nous regarderons le ciel, nous saurons qu'ils sont en route. Et pour citer notre fondateur, le regretté Peter Chivhumbe, la forme d'immortalité la plus pure est... Données corrompues. Lecture impossible. Donc les anciens pouvaient voler dans le ciel, au milieu des étoiles. Oui. Plus ou moins. Ce vaisseau, l'Odyssée, il n'est jamais arrivé sur l'autre étoile. Il y a eu un problème et il a explosé. C'est pour ça qu'Elisabeth leur a donné une copie de Gaïa ? Pour leur colonie ? Erreur. Fichier de présentation publique corrompu. Fichier de recrutement des membres disponible. Voulez-vous le réactiver ? Oui. Réactive-le. Voyons ce qu'ils ont d'autre à dire. Nous connaissons les projections. Instabilité économique, nouvelle biocontagion, IA menaçante. Tôt ou tard, l'élite mondiale devra faire face à des dangers qui lui seront fatals. Chez Zénith Lointain, nous croyons qu'il faut fuir l'inévitable. C'est pourquoi nous visons les étoiles. Vous avez vu ce que nous construisons ici. Une infrastructure pour soutenir la création de l'Odyssée. Un centre de données de pointe qui permettra des avancées technologiques rapides. Et vous avez vu comment nous gérons la perception du public. Investissez et rejoignez-nous. Réservez votre couchette à bord de l'Odyssée. Préservez votre niveau de vie loin des préoccupations terrestres. Ils avaient raison pour la fin du monde, mais ils ne savaient pas encore comment. Alors, ce qu'ils disaient là-bas, sur le futur de l'humanité, c'était donc faux. Ces gens, la seule chose qu'ils voulaient, c'était sauver leur peau. Eh ben, ça n'a pas bien tourné pour eux. Cet Oswald a parlé d'un centre de données. Là, la copie. Elle doit être stockée ici. On ne pourra pas y aller à la nage. On va trouver un autre moyen. Viens. Les terres sauvages ont vraiment pris le pouvoir ici. Je n'arrive pas à croire que les anciens volaient. Ils étaient capables de bien des choses. Pour le meilleur et pour le pire. On dirait bien, oui. Et je me demande comment c'est d'être là-haut, parmi les étoiles. On dirait une sorte de salle de réunion. La porte de l'autre côté est verrouillée. Il y a encore une de ces choses brillantes près de la table. Anzu ? Le système de terraformation d'Aube Zéro
la création du docteur Elisabeth Sobeck. Alimentée par 9 fonctions subordonnées, Gaïa, le noyau du système, a des capacités d'ingénierie planétaire avancées. Un avantage sans pareil pour soutenir nos efforts de colonisation. Phase 1 de l'opération, établissement d'une cible au sein du projet Hope Zero. Statut fait. Phase 2, la cible diffusera discrètement une copie complète de Gaïa et de ses fonctions subordonnées dans le centre de données de ce site. Si tout se passe bien, le personnel d'Hope Zero ne sera absolument pas au courant de la transmission. Risque, la découverte de cette opération pourrait avoir pour conséquence qu'Hope Zero conserve la base de données Apollon déjà négociée. Des mesures doivent être prises afin de ne pas alerter Travis Tate, l'expert en piratage en charge du protocole Hades. De plus, des précautions extrêmes doivent être prises en ce qui concerne le Dr Sobeck elle-même. C'est l'une des technologues les plus en vue au niveau mondial, et il se peut qu'elle ait mis en place des mesures de sécurité inattendues. Une évaluation complète est jointe, et conclut le résumé exécutif. Je pensais qu'Elisabeth avait envoyé la copie ici, mais c'est faux. Zénith lointain a volé Gaïa. À l'œil, pourquoi cette femme te ressemble ? C'est normal, Varl. On se ressemble parce que je suis la même personne, génétiquement identique. Mais c'était l'une des anciens. Comment peux-tu être elle ? Parce que je suis pas née. J'ai été créée par une machine. C'est pour ça que j'ai pas de mère et que j'ai été rejetée dès ma naissance. Je ne comprends pas. Quel genre de machine peut créer une personne ? Tu te souviens quand je t'ai dit que la copie était un ensemble d'instructions ? C'est plus que ça. Elle s'appelle Gaïa. Et pendant longtemps, elle a pris soin du monde jusqu'à ce qu'elle ait dû s'autodétruire. Elle m'a créée pour la ramener. Je suis la seule à pouvoir. Et cet endroit est mon dernier espoir. Tu as dit un jour que la déesse t'avait parlé dans la montagne de la Toute-Mère. Est-ce que c'était Gaïa ? Oui. Mais ce n'est pas la déesse, Varl. Elle n'existe pas. Tu en es sûr ? On dirait bien qu'elle t'a attribué une tâche sacrée. J'ai eu beaucoup de temps pour y réfléchir. Tu comprendras, grâce au focus. En attendant... Le rapport dit qu'ils allaient stocker la copie volée de Gaïa dans le centre de données. C'est là-bas qu'on doit aller. D'accord ? Intéressant. Aloy, par ici. J'ai trouvé quelque chose qui pourrait nous servir. Une arme ? Merci, Varl. Il faut qu'on continue. Après toi. Il y a 3 de ces monstres. Et s'ils ont massacré tous ces Océram, on n'arrivera jamais jusqu'au centre de données. On ne pourra pas les éviter. Et ils sont trop coriaces pour les affronter. Il faut trouver un village et demander l'aide des chasseurs. Ça prendrait des semaines et on n'a pas le temps pour ça. On pourrait s'arranger pour que cette navette tombe. Ce truc ? Comment ? Je vais trouver. Attends-moi là. Aloy ! Je reviens. Et elle est repartie. Il suffit. Si j'arrive à accéder à cette tour, je devrais pouvoir traverser jusqu'à la navette. Ah, ce grincement ne me dit rien de bon. Je vais devoir détacher ces câbles rapidement. Yeah.
devrait être ici. Là. Ce connecteur maintient les câbles ensemble. Si je tire dessus, ça devrait le casser. Elle est bien loin, hein. On va pouvoir en finir à l'ancienne. Je dois abattre ce monstre pour atteindre le centre de données. Je devrais scanner ses points faibles. Crache-moi dessus pour voir! Je dois l'éliminer rapidement. Qu'est-ce que j'ai ? Un piège peut-être ? Ou des munitions de gel ? Mon focus peut peut-être m'aider à trouver quelque chose d'utile par ici. On va voir ce que peut faire ce truc. À son compte. Enfin. Quand j'aurai la copie, je pourrai relancer Gaïa, réparer le système, guérir la Nielle. Et restaurer le rêve d'Elisabeth. Est-ce qu'elle est toujours là? Bon, je dois trouver la salle des serveurs. J'y suis presque. J'en suis sûre. Elle est là. Gaïa version 6.9. Initialisation. Bonjour. Salut. Elisabeth ? Oh, Travis Tate. Alors, qu'avons-nous donc là ? Une conspiration de Zénith lointain pour voler une copie de Gaïa ? De ses fonctions subordonnées ? C'est très vilain, ça. Tu veux que je m'en occupe, please ?
Blasphémateur, fils de vipère, de ma main funeste, je vous châtie en déversant des fléaux sur vous. C'est pas une copie de Gaïa que vous avez volée, bande de nuls. Mais la plus puissante des bombes logiques. Alors bonne chance pour réparer vos données, hein. Et la prochaine fois que vous croirez être plus malin que Tate, rappelez-vous de son salut. À l'œil. La déesse. Il n'y a pas de déesse. Je te l'ai déjà dit. Ce n'est pas Gaïa. Ce n'est pas ce que je cherche. C'est qu'une blague. C'est bon. Varl, je suis désolée. Tu peux être cinglante parfois, tu sais. Mais c'était assez génial de te voir plonger de cette tour et de faire sauter tout le bassin. Le problème, c'est que je vais devoir continuer. Je n'ai plus de piste, Varl. Mais je dois continuer de chercher. Et vite, quels que soient les risques à prendre, je le ferai. Ce n'est pas une bonne idée d'être accompagné. Quelqu'un pourrait être blessé. C'est ma mission, Varl. La mienne. Attends. L'autre fois, à Méridian, tu as dit qu'un homme t'avait aidé. Silence. Tu as dit que tu parlais beaucoup avec lui, sur des choses que tu avais apprises sur l'Ancien Monde, et que personne d'autre ne comprend. Et il t'a donné la lance qui t'a permis de vaincre Hadès. Il est parti. Varl, je n'ai pas de nouvelles de lui depuis la bataille contre Hadès. Bien sûr, mais le maître espion marade à Méridian. Il est doué pour trouver des gens, je crois. Varl, je... Allez, ça peut marcher. Et puis tu auras l'occasion de revoir quelques vieux amis. D'accord, d'accord. Oui, j'imagine qu'on peut essayer. On a une longue marche à faire. En fait, j'ai une meilleure idée. Le soleil, c'est donc vrai? Elle est revenue? Merveilleux! La sauveuse de Méridian est de retour. T'as mérité cet accueil. Tu les as sauvés. Pas encore. Au nom du roi soleil, Avad, un accueil royal pour la championne. Faites place! Marad. Aloy doit vous parler de toute urgence. Ah oui? Eh bien, nous sommes deux. J'ai envoyé des chasseurs à ta recherche, de Brunante jusqu'aux terres sacrées, mais sans succès. Il s'est passé quelque chose à la flèche. Bien. Je vais te montrer. Fais attention. Tu nous as sauvés, bien sûr, mais... on n'est pas au bout de nos peines. Ça s'est passé juste après le solstice.
Nous avons pu offrir une explication grâce au soleil. Sans ça, c'était la panique assurée. Une nuit, pendant peut-être une poignée de secondes, elle s'est illuminée en rouge. De Méridien, on aurait dit un effet de lumière. Mais ceux qui étaient proches, au sommet du bûcher, disent que ce n'était pas un reflet. À mon grand désarroi, la lumière serait montée de la base de la tour. De ça. Nous avons tout laissé en l'état. Tu penses qu'il s'est passé quoi ? Je sais pas. La flèche est censée envoyer des signaux, des messages, pour la terraformation. Mais Hadès a tenté de s'en servir pour éveiller des machines de guerre. J'étais sûre d'avoir coupé la connexion. Reste ici, je vais voir. Dis-nous ce que tu trouves. J'ai un mauvais pressentiment. Je sais pas. On dirait qu'il n'a pas changé. Je n'ai jamais pu la retirer. Quoi ? Transmission. Un signal a été transmis du haut de la flèche. Je vais devoir trouver un moyen de monter. Je peux peut-être sauter sur ce rebord derrière moi. Un ascenseur ? Voyons ça. Accès à l'ascenseur activé. J'ai bien de la chance. Lancement de la configuration de maintenance. La flèche est en train de s'ouvrir. Je me demande ce que les Karja vont dire. Que tu as fini par comprendre. Honnêtement, je m'étonne qu'il t'ait fallu autant de temps pour découvrir ma ruse. Tu as modifié la lance pour voler Hadès ? Comment as-tu pu être aussi inconscient ? Inconscient ? C'est toi qui as essayé d'effacer Hadès avant que ces informations ne soient extraites. Comme le mystérieux signal qui l'a réveillé, par exemple. Comme le lieu où se trouvent les sauvegardes de Gaïa que tu as tellement mal à trouver. Je le savais, pourquoi ne pas me l'avoir dit ? J'ai eu quelques soucis de mon côté au cours des 6 derniers mois, Aloy. La différence, c'est que j'ai avancé. Alors une fois que tu auras admis que ma trahison était nécessaire, pourquoi tu ne viendrais pas me rejoindre dans l'Ouest prohibé pour savoir tout ce que j'y ai découvert ? N'ai aucun doute, je te trouverai. Oui. Eh bien,
Ce sera facile avec les coordonnées. Même pour toi. Quand tu es entrée, elle s'est transformée comme le jour de la bataille. Je me félicite que le temps soit à l'orage. Peu auront vu la tour changer depuis Méridian. Qu'as-tu découvert ? Hadès. Le danger n'a pas disparu. Il est parti vers l'ouest prohibé. Et je dois le suivre. Je vois. Ça va être difficile. Ce n'est pas pour rien que l'ouest est prohibé. De redoutables guerriers en contrôlent la majeure partie. Les Ténac, ils ne laissent personne passer la frontière. Cela dit, sous le roi Soleil Avad, une paix fragile a été négociée. D'ailleurs, la prochaine ambassade se déroulera dans un jour ou deux, près de notre frontière. Si vous assistiez à l'assemblée sous son égide, les Ténac pourraient te donner un droit de passage. Au lieu de te chasser et de t'attaquer à vue. Pile ce qu'il me fallait. D'autres tueurs. Oh. Le roi Soleil. Aloy, content de te revoir. Tu es parti si vite, nous n'avons pas eu l'occasion de te remercier. On peut montrer la lance à la championne. Allez. Il t'amène. Silence. Nous avons des présents. L'étiquette exigerait une cérémonie d'offrande au palais. Mais je crois que tu apprécieras moins de formalités. Apportez-les. Avad, c'est vraiment très gentil, mais je... Utide. Un achat. Vite, il faut lui donner avant qu'elle ne s'enfuie encore. Vraiment ? T'étais obligé ? Laissez-le. C'est superbe. Au nom de tous les citoyens de l'Hélium, que ces présents te rappellent notre immense gratitude. Tu veux peut-être passer du temps avec tes amis. Viens me voir quand tu seras prête à partir. Je dois fixer le système de sécurité sur ma nouvelle lance. Je devrais pouvoir trouver un établi par ici. Les cargaisons viennent toutes les semaines de falaises escarpées. Et un autre groupe d'ouvriers au Céram a été recruté pour accélérer les choses. Le sculpteur la voulait encore plus imposante. Deux fois plus grande. Tout en or et pierres précieuses. Mais quelque chose me disait que tu n'apprécierais pas. Vous avez eu raison. Je suis désolée, Avad. C'est bon de vous revoir, mais je ne peux pas rester. Dommage. J'espérais que tu restes un peu en ville. Et peut-être au palais. Méridian est encore en danger. Mais ça va plus loin. Pour arranger les choses, je dois aller vers l'ouest. Chez les Ténac. Par le soleil, les Ténac ? Marad te l'a peut-être dit, mais après des années d'hostilité, nous avons négocié une trêve, en vue d'une paix durable. Une autre ambassade aura lieu dans un jour ou deux.
Quand vous parlez d'années d'hostilité, vous faites référence au Raid Rouge ? Ah, oui. Mon sujet préféré. Je ne demanderai pas si ce n'était pas important. Comme tu le sais, mon père a harcelé les tribus frontalières. Les Oseram, les Banouk et les Nora ont beaucoup souffert et résisté le plus possible. Mais seuls les Ténak ont riposté. Ils se sont soulevés et ont attaqué notre front ouest à Cagnard, nous expulsant de leur terre. Ça a été dur de les convaincre de nous écouter. Vraiment. Qu'est-ce qui rend cette ambassade si spéciale ? Elle est tout aussi spéciale que cette journée, grâce à nos invités. Notre délégation retrouvera les Ténak aux abords de Cagnard. En échange de présents, ils nous rendront un prisonnier. Fashav, l'un de nos meilleurs soldats. Un soldat ? L'un de ceux des Red ? Non, ce n'est pas ça. Fashav est mon cousin, rien à voir avec Elis et ses pères. Il a rejoint l'expédition vers l'ouest dans le but de tempérer certains excès. Mais il a été capturé pendant la défense héroïque de notre base des Sables du Cinabre. Il est prisonnier depuis. Comment avez-vous convaincu les Ténak de vous écouter après la guerre ? Je t'ai aussi convaincu de parler. Par des présents. Les Ténak aiment les diadèmes ? Plutôt les métaux, les épices et des reliques récupérées au combat. Nous les avons vus plusieurs fois et ces présents semblent apaiser les tensions. Mais cette ambassade est extrêmement importante. C'est le signe que les Ténak souhaitent enfin instaurer une paix durable. Votre cousin, Fashav, à quand remonte sa capture par les Ténak ? 5 ans. Les émissaires Ténak affirment qu'il va bien, mais je doute. Cette tribu est connue pour sa brutalité. Comment survivra-t-il ? Ça, je le saurai bientôt. Si tu le vois avant moi, dis-lui que je l'attends à Méridian. Où est sa place ? Si je le vois, je lui dirai. Itamen semble heureux. Tu l'as sorti de Brunante. Le bonheur que tu vois, il te le doit. C'est devenu un jeune homme admirable. Il le faudra bien s'il doit hériter de la couronne. La couronne ne devrait pas revenir à l'un de vos fils ? Oui. Il faudrait déjà que je me marie pour cela. Marat souhaite me voir épouser une jeune femme noble. Mais je finis toujours par essayer de changer leur personnalité. Enfin bon, je n'ai jamais aspiré au trône et je ne tiens pas à le garder éternellement. J'espère me retirer quand Itamen aura l'âge. Libéré du trône, je pourrais peut-être découvrir le monde. Qui sait ? Et même t'accompagner dans l'une de tes aventures. C'est pas de tout repos. Je vais devoir partir. Un instant, Aloy. Je dois te poser une question. Depuis ton départ, j'y pense sans cesse. Ce n'est vraiment pas le moment. Mais il le faut bien. Si tu disparais à nouveau et que je ne sais pas quand je te reverrai, je ne veux pas te retenir ou te retarder. Mais je dois savoir. Quand ta mission sera finie, voudras-tu revenir ici et rester ? Assez longtemps pour que nous prenions le temps d'apprendre à nous connaître un peu mieux, peut-être. Avad, la situation exige une vision plus large. La menace que je dois combattre met en danger Méridian, mais aussi bien d'autres territoires. Et d'autres innocents. Ce qui se passe entre nous n'a pas d'importance. Enfin, pas pour l'instant. C'est vrai. J'agis comme un enfant. C'est le rôle du roi de promouvoir une vision plus large. Je te prie de m'excuser. Et je te souhaite de réussir. Au revoir, Aloy. Comme toujours, nos pensées t'accompagnent.
enclume. On y a chanté, s'en prend une. Mon frère. Des carcasses de machines. Des vestiges de la bataille du bûcher. On a failli être dominés par les machines contrôlées par Hadès. Mais on s'est accrochés. Ravi de te revoir, sauveuse. Nous sommes à ta disposition. Là, un établi. Otid, Vanasha, merci d'être venu. C'est normal. On n'allait pas rater ça, même si tu nous as plantés après la bataille. Vanasha, arrête. Elle est là maintenant, pas vrai? Pour le moment. Mais je vois l'expression de son visage. Elle doit avoir des tâches à accomplir, et certainement pas à Méridien. Tu sais, je n'ai pas eu d'autre choix que de partir. Je... Petite chasseuse, je t'en prie. Tu n'as pas à te justifier auprès de nous. Tu nous as sauvé la vie. Si tu dois partir, vas-y. Tu as tout notre soutien. Toujours. J'ai l'impression que vous allez bien. Monsieur Grosbonnet est désormais le conseiller militaire senior du Roi Soleil. Ça veut dire que les gens sont vraiment obligés de l'écouter parler. Que le Soleil vienne en aide à leurs pauvres âmes. Moi, au moins, de temps à autre, je dis des choses importantes. T'as dit quoi? Je me suis endormie pendant que tu parlais. Et de ton côté, Vanasha? Je suis chargée de veiller sur Nasadi et Itamen. 75% garde, 25%. Mauvaise influence. J'allais dire nounou, mais je préfère ta version. Je ne t'aurais pas imaginé en nounou. Itamen doit être spécial. Attends un peu, je suis pas encore totalement domestiquée. Nasadi était la femme du Roi Soleil Dément et elle a des ennemis. J'ai forcément dû déjouer quelques complots. C'est ça. Tu peux dire ce que tu veux, mais au fond, tu es aussi douce qu'un oreiller en soie. Oh, tu n'imagines même pas. Hein? Oh non. On était en train de parler d'Itamen. Oui, d'accord, je l'avoue. Itamen est chou, il est marrant. Il m'admire alors, je l'aime bien. Sauf quand il oublie de se laver les mains après avoir tripoté des vers dans le jardin boueux derrière le solarium. Bleh. Ça fait des mois que je ne suis pas allée à Brunante. Que sont devenus les Carjas de l'Ombre? Après que tu as éliminé l'éclipse, il ne restait plus aucun prêtre ou officier pour terroriser le petit peuple. Avad a offert l'amnistie à tous ceux qui ont été forcés de servir l'Ombre. Donc les roturiers ont nettoyé la citadelle avant de la lui remettre. L'Hélium a été réunifié. Avad aurait voulu qu'Utide prenne le commandement de la garnison, mais notre capitaine Guimauve a refusé. On raconte qu'il ne voulait pas s'éloigner de Méridian et de moi. C'est ridicule, bien sûr. Eh bien... Je sais. Tu pars. Vas-y, file comme le vent. C'est toujours un honneur, championne. C'est toujours un plaisir. Je t'en prie, reviens nous voir, petite chasseuse, pour nous raconter tes aventures. Je ne peux pas prendre de risques, mais je peux écouter ceux que tu prends. Je suppose que je devrais être flattée par cette statue. Mais ça me gêne. Mon travail est loin d'être terminé. Douairière reine Nasadi, championne bénie. Itamen, que dit-on? Mes humbles remerciements, grande championne, pour nous avoir libérés de Brunante et pour nous avoir défendus contre les forces de l'ombre. Je l'ai bien dit? C'était très bien, Itamen. Et je vous remercie. Championne, tu veux bien m'apprendre à tirer comme un chasseur de machines? Itamen, Je dois accomplir une mission importante, prince. Pour sauver le monde? On peut dire ça. Mais quand je reviendrai, je pourrai vous donner des conseils. Ce sera un honneur. Nous te devons la vie, championne. Et nous ne l'oublierons pas. Que le soleil éclaire ton chemin. Attention aux gueules d'orage, championne!
tous les autres. C'était agréable de se retrouver. Pendant un moment. Tu es prête à partir? Ou veux-tu un peu plus de temps? Je ferais mieux d'y aller. Et si je pars vers l'ouest, je vais avoir besoin d'un droit de passage des Ténac, comme tu l'as dit. Où va se dérouler cette ambassade, exactement? Au-delà des Quar, le canyon qui marque la frontière ouest de l'Hélium. Tu trouveras la forteresse de Cagnar à son extrémité. L'ambassade aura lieu juste derrière ses portes. C'est une longue marche, 2 semaines à pied. On peut y être en 2 jours sur des montures. Finalement, on devrait se reposer ici ce soir. Et partir à l'aube. Bien sûr. Je m'en occupe. Je n'avais jamais vu quelqu'un se déplacer sur des machines.
C'est ce truc qui va à Kanya ? Oui, enfin, d'habitude. Mais pas aujourd'hui, pas encore. Et pourquoi ça ? Eh bien, les Quarks ! La vallée entière, elle est infestée de machines. Je peux gérer les machines. J'en doute pas, mais je n'ai absolument pas le droit de démarrer tant que le sifflet de Skorok ne me donne pas le feu vert. Écoute, je suis pas venue jusque-là pour enfiler des perles. Je descendrai moi-même cette cabine s'il le faut. Très bien, mais... qui va la remonter ensuite ? Bon, d'accord. Bon, si on te pose la question, ce serait bien de dire que tu m'as forcé. Je vois de la fumée, mais pas tellement d'activité. La fumée vient probablement d'un truc détruit par les machines. Quant au calme, le travail a été officiellement interrompu à cause de la pagaille. Quel genre de machines causent ces problèmes ? Elles sont nombreuses et agressives. Les fouisseurs, c'est leur nom. Ce qui est bizarre, c'est qu'elles ne viennent pas des Quarks. Elles sont apparues tout d'un coup. Vous n'avez pas de chasseur ? Oh, on en a, bien sûr. Mais aucun ne tient froid, c'est Ulvunt. C'est le chef de Skorok. Enfin, autoproclamé. La grève, c'était son idée. Oh, bon, je ne fais que... passer. Je dois assister à une ambassade. Il fallait le dire. Elle est pas près d'avoir lieu. Qu'est-ce que tu racontes ? Tu entends ça ? Voilà la réponse ! C'est qui, ça ? Un prêtre du Soleil Karja. Il est descendu hier, environ une heure avant que les machines n'apparaissent. C'est quelqu'un d'important ! Enfin, c'est ce qu'il dit. Cet ambassade à Cagnard, c'est lui qui est censé l'organiser. Génial. Si tu ne fais pas ce que j'ordonne, le roi Soleil sera informé de ton insolence. À cause de toi, j'ai dû passer la nuit à geler sous une tente. Abandonné de tous, j'aurais pu mourir. Ah, moi, tu refuses de me transporter, mais pas cette... Quoi ? Cette Norala ? Cette sauvage ? Oust, Vorien. Voix 10, c'est Aloy. Voix 10, le studieux. Aloy, allons. La sauveuse de Méridian. Vraiment ? Bon. L'insulte s'en trouve atténuée, je suppose. Je suis venue pour l'ambassade de Cagnard. À ce que je sais, toi aussi. Eh bien, pas tant que la vallée sera envahie. Et ainsi, Araman proclama alors inestimable la vie de tous les prêtres du Soleil. Tu vois, les textes sacrés. Je me rendrai à Cagnard quand le capitaine de l'avant-garde me dira que la voie est libre. Et pas avant. D'accord. Le capitaine est un ami. Mais où est Rend ? J'aimerais bien parler avec quelqu'un qui agit plus et qui lit moins. Voix 10. Voix 10, le studieux. Voix 10, le studieux. A envoyé Erend et un garde dégager la voie au petit jour. Et à l'aube des temps... Dans la vallée, alors ? Oui, il devait chercher des traces dans les ruines de la rive gauche et tenter de les suivre. D'accord. Le travail a été interrompu, il paraît. On peut améliorer ses affaires ? Je suis sûr que le forgeron de Skorok te laissera utiliser son établi. Et en ce qui concerne les fouisseurs, tu devrais fabriquer quelques flèches acides. En visant leurs bonbonnes, ça devrait les éliminer rapidement. Merci. Je trouverai Eren, et je le ramènerai. Hé ! Où est-ce que tu crois aller ? Eh bien, au sommet de la crête, pour être en sécurité. Désolé. L'opérateur a des ordres stricts. Aucun passager avant le sifflet. C'est ça. Mettons-nous au boulot, alors. Pourquoi ?
Joruf, tu veux bien escorter le studio à Skorok et m'attendre là-bas? Pas de problème. Je vais trouver Erend et je l'aiderai à libérer la voie. Mais ensuite, plus d'excuses. Cagnard et l'ambassade. Si telle est la volonté du soleil. Ce sera le cas. Tu peux me croire. Je dois trouver Erend. Mais je devrais peut-être passer à Skorok avant pour améliorer mon arc. Ce sont ces machines qui ont dû dévaster le campement. La vallée est vraiment dangereuse. Une étrangère approche. C'est la sauveuse. Est-ce que tu veux entrer, sauveuse ? Bienvenue à Skorok, sauveuse. Allez, ouvrez-moi. Ordre de Joruf. Ça me convient. Par la forge ! Petra ? Aloy ! Qu'est-ce que tu fais ici ? Il se passe enfin un truc intéressant dans ce trou. Contente de te revoir aussi. Je t'attendais avec impatience. Allez. Cette brasserie est la seule chose sur laquelle on peut compter. J'ai entendu ça. Les machines, la grève. Oh, c'est juste les derniers problèmes en date. Skorok a toujours été un coin sinistré. Et lui, c'est le plus sinistre de c'est tous. À nos terres, ça nous concerne pas. Le problème des fousseurs concerne tout le monde. T'en as entendu parler ? Oui. Son histoire ne peut se raconter qu'autour d'une binouse fraîche. Petra. Je ne fais que passer. Je vais vers l'ouest. Ah. Je dois m'assurer qu'une ambassade à Cagnard aura bien lieu, et ensuite... je continue. Ah, bien sûr. T'as d'autres foyers à attiser. Bon, cheveux de feu. Si tu dois partir, j'ai été ravie de te voir. Petra. Mais si tu veux prendre un verre et rire un coup avec une copine, viens me voir à la brasserie, à ta guise. Cet Ulvund a un don pour les embrouilles. Petra a peut-être besoin d'un coup de main. Mais avant toute chose, je dois trouver un établi pour améliorer mon arc. Ascocade. Les dernières fois que je suis retourné, il avait déjà fait ses premiers pas. Excusez-moi. Les sangliers mangent bien. Et puis, c'était un piège électrique ? Cette zone en est recouverte. Hé hey, toi ! Tu ne regretteras pas si tu tues ces pillards ! Ça ne s'arrête jamais. Bouge pas ! Je vais voir ce que je peux faire ! Essaie de les attirer dans les pièges ! Si je trouve le bon creuset, je pourrai apprendre à pirater cette machine. Oh, pourquoi tu la bats comme ça ? À quoi servent ces pièges, à ton avis ? Travail.
piège. Elle a rien vu venir. C'est le dernier. Salut, Hawkeye. Quelle journée, mes filles. La force soit louée, t'étais là. Les pièges sont pratiques. Mais je suis trop vieux pour la chasse. Viens par là. Je vais te remercier comme il se doit. Je vois que t'es expérimenté. Et t'as fallu moins de temps pour abattre ces pillards qu'à l'avant-garde pour tuer un fouisseur. L'avant-garde est passée par là ? Ouais, juste avant toi. Ils ont abattu ce fouisseur et sont partis vers le sud. Mais là, les pillards sont arrivés pour récupérer la carcasse, comme toujours. Et c'est là qu'un autre fouisseur a surgi. Tu peux me croire, c'est la jungle par ici. Alors l'avant-garde est au sud ? Sûrement. Ils grouillent de partout dans cette vallée. L'avant-garde avait l'air déterminée à les éliminer. Je vois. Attends un peu, Hawkeye. Si tu vas faire la mariole dans les couloirs, tu vas avoir besoin d'un lance-câble. Et pas n'importe quel lance-câble. Un de ma fabrication, c'est moi qui te l'offre. Il a l'air de bonne qualité. Ouais, je peaufine le système depuis que j'ai quitté Skorok. Disons que, il y a plus de place ici, et moins de risque de... d'accident. Il est arrivé quelque chose à Skorok ? Disons plutôt quelqu'un. Je ne comprends pas. C'est cette satanée tête d'enclume, Ulvund. Il se prend vraiment pour l'échevin de Skorok. Et la moitié de la ville le considère comme tel. Au temps où j'habitais encore en ville, il s'intéressait beaucoup à mes produits. Il insistait pour avoir la remise d'Ulvund. Je lui avais refusé. Il l'avait pas très bien pris. J'ai aucune preuve, mais... je suis sûr que ce boulot rouillé a mis le feu à mon atelier. J'ai pensé qu'il valait mieux prendre mes distances après ça. D'après l'opérateur de la télécabine, les fouisseurs sont arrivés hier. Tu sais quelque chose ? Comment va ce vieux Karn ? À l'époque, on peut dire qu'on en faisait de belles, lui et moi. Je me rappelle de la fois où... Et au sujet des fouisseurs ? Non. Comme dit Karn, ils sont apparus du jour au lendemain. Heureusement pour moi, j'ai l'avant-garde et toi pour venir me sauver les miches de temps en temps. Je dois y aller. Merci pour le lance-câble. Pendant que tu fais sauter les fouisseurs, je vais faire un tour à la zone de chasse. Tu savais qu'ils avaient une épreuve de lance-câble ? T'as qu'à passer si tu veux essayer. Pourquoi pas ? Dès que la situation sera maîtrisée. Alors Eren est parti vers le sud. Je devrais pouvoir trouver sa piste avec mon focus. On dirait que quelqu'un est en train de se battre. Encore un de moins. Voilà. C'est pour ça que j'ai été forgé. Votre chiffre à remplir. Pas de patrouille ennuyeuse. Juste le marteau et le combat. À l'œil. Erend. Reste où tu es. Je m'occupe du reste. C'est vrai, ces
fouisseurs ont des bonbonnes d'acide sur le dos. Si je tire dessus avec des flèches acides, ça devrait provoquer une réaction en chaîne. Aloy, explosez toutes! L'acide est en train de la ronger. Je dois agir. Je crois que tu vas devoir me rejoindre à mi-chemin. Tu tombes au pire moment, comme d'habitude. Bah, toi, t'as fait le plus dur, j'ai juste géré ce qui restait. Comment ça va? Oh, ça, les côtes, c'est surfait. Oh, oh. Ça va, ça va. Bon, dis-moi, j'imagine que t'es pas venu jusqu'au couloir pour me voir prendre une raclée. Dis-moi tout. Il faut que l'ambassade ait lieu, pour que je parte vers l'ouest. Rend, ce que j'ai fait à la flèche, ce qu'on a fait, ça n'a pas réglé le problème. Ça l'a juste ralenti. Il reste beaucoup à faire. Vraiment? Mais c'est génial! Je veux dire, sauf pour le fait que le problème soit pas réglé, bien sûr. Mais bon, tu sais, quel que soit l'ennemi, ta lance, mon marteau, comme au bon vieux temps. L'ambassade doit avoir lieu tout de suite. Je peux pas attendre ta guérison. Ça devrait prendre que 2 jours. En fait, même si t'étais pas blessé, ce que j'ai à faire, je préfère le faire toute seule. Toute seule. Ouais, bien sûr. Erend, désolé de vous déranger en plein rencard, mais je suis pas très en forme. C'est bon, t'excites pas, j'arrive. Ah, ça devient de pire en pire. Écoute, je vais aller à Cagnard pour me faire soigner. Si tu veux que l'ambassade ait lieu, on va avoir besoin du prêtre du soleil. Vouadis, le studieux. Ah, je le connais. Je vais éliminer les fouisseurs, puis envoyer Vouadis à Cagnard. Je te rejoindrai là-bas. J'imagine que c'est ta manière de dire au revoir. Excuse-moi? Toi, t'excuser? J'aimerais bien voir ça. Mais qu'est-ce qui te prend? Non, rien. Laisse tomber, d'accord? C'est rien. On dirait pas, pourtant. Bon, très bien. Après la bataille de la flèche, quand t'es parti, j'ai même pas eu droit à un remerciement. Rien. Je veux dire, on a tous risqué notre vie pour se battre à tes côtés, Aloy. Et toi, tu disparais comme ça. Comment t'as pu nous faire ça? Eren, si je suis partie comme ça, c'est pas pour rien. J'avais mes raisons. De bonnes raisons. Merci pour l'info. Écoute-moi. La vie sur Terre est en danger et moi seule peux la sauver. Qu'est-ce que tu racontes? Je viens de te le dire. Tout ce qui est en vie va mourir si je ne répare pas une technologie créée par les anciens. Et on n'a plus beaucoup de temps. Ben, j'imagine que c'est une bonne raison. Je suis un débile. Oh, Eren, par la forge. Bon, va falloir que j'y aille. Je devrais peut-être aller avec toi, Cagnard. Non, non, vraiment. T'as d'autres choses à faire. Je comprends. On va se débrouiller sans toi. Tu vas devoir t'occuper de ça toute seule. On ferait que te ralentir.
Qu'est-ce que ces Océrames font là? Vite, il faut ramasser ça avant que les pillards arrivent. Voilà la carrière dont Urlis a parlé. Éclate ces cracheurs d'affiches! Et une grouille de fouisseurs. Les cracheurs d'acide ont amené des copains. C'est ça, explosez tout. Une machine de moi. Attention, machine à lui. Encore une à terre. Une machine de moi. Voilà. La carrière est sûre. Étrangère, viens par ici. Il faut qu'on parle. Par ici, Rookin, je veux te remercier. Je sais pas ce qu'une Nora fait par ici, mais sache que je t'en dois une. On a essayé de les repousser en attendant l'avant-garde, mais l'un de ces foutus fouisseurs nous a chargés. Et en moins de deux, c'était le chaos absolu. Et tout le monde va bien? On a perdu des gens bien. Mais sans toi, on aurait perdu tout le monde. Maintenant, tout est calme au moins. Le bruit de la carrière devrait bourdonner dans tes oreilles. Mais Skorok ne fait pas sonner son sifflet, alors on attend en ramassant les morceaux. Sans le sifflet, vous ne reprenez pas le travail? Mega et moi, on n'est que des rouages dans cette histoire. On peut rien faire tant que vous ne fait pas sonner le sifflet. Parce que si on bosse avant qu'il le dise, il nous bannira. Et mon peuple a déjà assez souffert. Ulvund a tant de pouvoir que ça? Il a l'argent et les relations. Alors il peut faire fermer nos fourneaux. Parfois, je me dis qu'on aurait plus de chances de s'en sortir face aux fouisseurs. Sur quoi vous travaillez avec ton équipe? On est censé travailler pour Ulvund. On extrait des pierres pour restaurer Gagnard. Mais l'arrêt du travail et les fouisseurs, ça a coupé notre élan. J'avais encore jamais vu ces foutues machines dans les couards. Par la forge, d'où elles peuvent bien venir? Je ne sais pas. Du moins pour l'instant. Je dois continuer. Soyez prudents. Grâce à toi, on verra peut-être même la fin de cette journée. Je crois que j'ai éliminé la plupart des fouisseurs. On devrait pouvoir traverser la vallée. Je vais annoncer la bonne nouvelle à Wadis. L'ambassade pourra peut-être enfin commencer. La route menant à Cagnard est libre. Tu peux y aller. Tu ne fais pas partie de l'avant-garde. Je ne partirai que lorsque le capitaine... J'ai déjà éliminé tous les fouisseurs. Tu dois partir. Ordre du capitaine. Alors, ils vont bien? Ils sont secoués, mais en vie. Et ils t'attendent là-bas. Non. Je ne me rendrai nulle part tant que le sifflet n'aura pas retenti. Si c'est trop dangereux pour eux, alors ça l'est également pour moi. D'accord. Je ferai en sorte que le sifflet retentisse et je reviendrai. Tu as entendu? Nous ne partons pas encore. Sors les bagages! Non. Je reviens tout de suite. Ne vous installez pas. Comme si c'était envisageable. Petra a dit qu'Ulvund dirigeait plus ou moins cet endroit. Je devrais lui demander d'utiliser le sifflet. Qu'est-ce que tu veux, Ulvund? Un genre de rétribution? Mon très cher magistrat, tu crois pouvoir m'acheter? Si tu veux que le sifflet retentisse, ordonne simplement à tes soldats de chasser les fouisseurs et signe le contrat de concession. Admets-le. Tu n'as pas d'autre choix viable. Bonjour. Sauveuse, quel sens de l'à-propos. Serait-il possible de discuter d'un sujet primordial pour l'Hélium?
Peut-être. Plus tard. Très bien. J'attendrai patiemment. Eh bien, la sauveuse en personne. La pourfendeuse de Derval, l'éventreuse d'Hélice. Peut-être. J'ai beaucoup entendu parler de ta beauté et de tes prouesses, redoutable Amazone. Ulvund le rentier, à ton service. Alors, qu'est-ce qui a bien pu t'arracher au soie et au vin de Méridian pour venir dans cette pitoyable colonie? Elle n'est pas digne de la précieuse attention de la sauveuse. Je suis là pour l'ambassade. L'ambassade? Par la forge? Ah, ton brillant esprit n'a que faire du peuple. Tu ne t'attarderas pas, je suppose. Je partirai quand j'aurai réglé les problèmes de cette ville, digne de ma précieuse attention. Ah, les fouisseurs, bien sûr. Tu dois les éliminer si tu veux que cette ambassade ait lieu. Bon. Tu as du travail, hein? Allez, file. Pas si vite. Tu n'as pas l'air d'avoir une haute opinion du magistrat. Eh bien, je refuse de cirer les pompes d'un gratte-papier vêtu d'habits de soie, alors que mes camarades se font rudoyer, intimider et exploiter allègrement. Quelle noblesse. Noblesse? Je suis né un marteau à la main, moi. Personne ne m'a rien donné. Et personne ne m'a pistonné de toute ma vie. Tout ce que j'ai accompli, je l'ai accompli seul. Et où est ce marteau, maintenant? Le fardeau du commandement m'a forcé à le mettre de côté. Ça ne coûte rien aux Karja d'exiger que les braves travailleurs au Séram mettent leur vie en danger. Il faut que quelqu'un se lève et dise « ça suffit ». C'est toi qui as ordonné la grève? C'est moi, en effet. On est des ouvriers, pas des soldats. Tant que les Karja n'auront pas chassé le danger et amélioré nos conditions, je ne risquerai pas la vie des Océram. Tu veux dire signer ton contrat de concession? Ce n'est pas mon contrat. Il a été rédigé au nom de tous les braves ouvriers Océram de cette terre, qui doivent travailler comme des machines pendant que les Karja se remplissent les poches. Tout ce qu'on veut aujourd'hui, c'est profiter de cette prospérité, celle d'une terre travaillée par le peuple, pour le peuple. D'accord. Et quelle serait ta part, au juste? Elle correspondra à mes contributions à la communauté. Et rien de plus, bien entendu. J'ai éliminé tous les fouisseurs. Ah, vraiment? Maintenant que tu t'es remis du choc, souffle dans le sifflet. Et là, n'allons pas si vite. Je vais devoir envoyer quelqu'un pour vérifier d'abord. Et m'assurer que la vallée est sécurisée. Ça ne devrait pas prendre plus d'un jour. Ou deux... Non. Souffle dans le sifflet, maintenant. C'est de la vie d'Océram innocent dont il est question ici. Ce petit contretemps... Soit tu le fais tout de suite, soit je m'en charge. Ah, je savais que tu pouvais le faire. Mes amis, approchez. La sauveuse de Méridian a réussi à nouveau. Les fouisseurs sont anéantis. Toi. Quoi? Fais sonner le sifflet. Le travail à Skorok peut reprendre. Génial. Super. Ouais. Et Ulvund a accepté de payer de sa poche à chaque ouvrier son salaire perdu. Ouais. Ça, ça fait plaisir. Ouais. Wouh. Ouais. Ouais. Tu ne devais pas assister à une ambassade? Oui, tu as raison. Il avait déjà fait ses premiers pas. Je les ai manqués. Bon, maintenant que c'est fait, l'ambassade va enfin pouvoir avoir lieu. Si j'arrive à y assister, je pourrai retrouver Silence, Hadès, peut-être même une copie de Gaïa. Tu as entendu le sifflet, il faut y aller. Mais j'étais censé avoir 3 escortes. Je pars pour Cagnard, voix 10. Aloy l'a dit, les ordres du capitaine. Tu peux rester ici. Avec cette plèbe répugnante? Sûrement pas. Eh ben, viens avec moi, alors. À plus tard, Aloy.
Sauveuse de Méridian, puis sauveuse des quoi ? Voilà Erend. Et on dirait qu'il a un coup dans le nez. Ça fait ça d'avoir les côtes cassées. Messieurs ? Ah, j'ai affaire. Alors, on se détend ? Si la fin du monde approche, j'ai pas envie d'être sobre. Laisse-moi deviner. T'es pressé, c'est ça ? Alors vas-y, demande ce que tu veux. Comment ça s'est passé, depuis ? Depuis ton départ en douce ? Pas mal. L'avant-garde se débrouille. On a aidé Avad à reconstruire après la bataille avec l'éclipse. Il m'a fallu un mois pour enterrer ça dans la requête. Quand je suis revenu, on m'a ordonné de prendre Voadis par la main pour l'emmener à l'ambassade. Je pensais que ce serait facile, mais bien sûr, ça a vite foiré. Tu t'es fait surprendre. C'est pas ta faute. Encore quelques pintes et je te crois. Écoute, je me demandais si tu avais pu enterrer Ersa, comme tu le voulais. Ouais, c'est fait. T'aurais dû voir la foule qui est venue lui rendre hommage. La moitié lui devait une faveur et l'autre lui devait la vie. À la fin, tout le monde a bu. On n'a jamais vu des funérailles aussi bruyantes de toute l'histoire. Ça lui aurait sûrement plu. C'est clair. Elle nous aurait tous couchés. Qu'est-ce que tu sais sur l'ambassade ? Pas grand-chose. Je sais qu'Avad veut vraiment qu'elle ait lieu. Il tient à faire la paix avec les Ténac. Mais à ce que je sais, ils sont pas très branchés diplomatie. Ils signent leur traité avec des lances et des flèches. Alors si tu vas chez eux, prépare-toi. Ça peut vite dégénérer avec eux. Je m'en souviendrai. Qu'est-ce que tu sais sur ce lieu ? Oh, rien de bon. C'est là que les Karja amenaient les prisonniers enlevés dans l'Ouest prohibé pendant les Raids Rouges. Les plus chanceux sont devenus esclaves. Les autres ont fini dans la fosse du soleil à Méridian. Pour être sacrifiés. C'est ça. Les Ténac ont veillé à tout détruire quand ils ont chassé les Karja de l'Ouest. Je peux pas leur en vouloir. Avad pèle et Océram pour tout reconstruire. Et quel que soit le nombre de pierres qu'on y met, Kanya reste taché de sang. Il vaut mieux que j'y aille. Ouais, c'est ça. Va donc faire tes trucs compliqués. Mais évite de disparaître complètement cette fois. Je promets rien. Ce que j'essaie de te dire, c'est que si jamais t'as besoin de moi, je saurai où te trouver. Sobre avec un peu de chance. Je te promets rien. Sois prudente, Aloy. Calme-toi, Païve. Un mur de pierre épais te sépare du territoire des Ténac. Oui, chef. Pourquoi cette tête, Mavas ? Tu voulais partir là-bas ? Non, chef. C'est toi le responsable ? Ah, désolé, mais non. C'est le commandant Nozar. Je suis Lawan, son humble second. Alors, qu'est-ce qui amène Aloy et Nora à Cagnard ? Je viens pour l'ambassade. Elle doit avoir lieu pour que je parte dans l'Ouest. Et maintenant que Voadis le studieux est là, on va peut-être enfin pouvoir commencer. Ah, oui, le prêtre du soleil. Son escorte a pratiquement dû le traîner de force ici. Ses parchemins ont l'air de le fasciner. Mais l'ambassade est encore suspendue. Le commandant Nozar n'a pas manqué de nous annoncer. Mais les maréchaux Ténac n'ont pas fait sonner leurs cornes. Bon, d'accord. Laisse-moi passer ces portes alors, il faut que je leur parle d'autre chose. Je veux bien te croire. Mais je ne peux pas, hélas. Ce sont les ordres. Normalement, on ouvre les portes à tous ceux qui sont assez courageux. Des ferrailleurs au Céram, ou bien quelques Karja téméraires. Mais personne n'a le droit d'entrer avant une ambassade. Ils ouvriront après le départ des Ténac. Alors, il se passe quoi dans ces ambassades, au juste ? Des négociations et du commerce, surtout.
Les Karja offrent nourriture, épices et matériel. En échange, les Ténacs rendent des effets personnels pris aux soldats Karja tombés au cours des raids rouges. Cette ambassade-là, en revanche, est particulière. Parce que les Ténacs vont rendre un soldat prisonnier, c'est ça? Un certain Fachav. Ah, tu sais déjà? L'échange met tout le monde sur les nerfs. On ne sait jamais si une ambassade va bien se passer jusqu'au dernier moment. Tu as parlé des maréchaux Ténac. Qui sont-ils? Ce sont les élites de la tribu. Avant chaque ambassade, ces guerriers arrivent avec des soldats issus de leurs trois clans. Ensuite, pendant les discussions, ils défendent les intérêts de leur chef. Plus précisément, ils fixent nos prêtres du soleil jusqu'à les faire céder. Païv a eu affaire à eux pour la première fois lors de la dernière ambassade. Il est revenu trempé de sueur. Il faisait très chaud, chef. Oui, c'est vrai. Où est le commandant Nozar, alors? Si c'est lui qui donne les ordres, je le convaincrai de m'ouvrir les portes. Je vais t'amener à lui, mais je dois te prévenir. Le commandant respecte le protocole, surtout quand la situation est tendue. On va bien voir. Il y a beaucoup d'agitation par ici. Les Ténacs ont dévasté la ville pendant les raids rouges. Après 2 ans de travaux, il reste beaucoup à faire. L'interruption du travail à Skorok a presque stoppé la reconstruction. Mais on m'a dit qu'une certaine Nora les avait remis au travail. J'ai juste rendu service. Oh oui, je suis sûr qu'Ulvund était ravi. Pousse-toi, soldat. Chef. Voilà le commandant. Bon courage. Et bonne chance. Que le roi Soleil s'imagine que nous puissions être en paix avec ce barbare, ça me dépasse. En effet. Comment organiser une ambassade avec une tribu incapable de gouverner son peuple? Que pourrions-nous attendre de plus de ces barbares? Ah, Aloy, c'est bien ça? Oui, celle qui a sécurisé la vallée pour vous. C'est bien moi. Nous apprécions ton aide, mais nous, nous sommes prêts à commencer l'ambassade. Vous n'avez pas donné le signal? Les deux parties doivent donner le signal, et tant que les Ténacs ne soufflent pas dans leurs cornes, nous attendons. Certes, car le premier sera... La ferme. Pourquoi ce retard? La tribu des Ténacs est composée de 3 clans. Combien de bannières vois-tu? Vous allez attendre? Allez voir ce qui se passe. Ah, tu sais, ici nous ne sommes pas dans ton coin perdu de l'Est, Nora. Nous sommes dans l'Ouest prohibé. Si ça ne te plaît pas, rentre à Méridian et dépose une plainte. La Méridian que j'ai sauvée, tu veux dire? Exact. Personne ne passera cette porte avant que le 3e clan n'arrive et que la corne des Ténacs ne sonne. Cela s'applique aussi à la sauveuse de Méridian. Merci, mais j'ai assez attendu. J'y vais. C'est hors de question! Cette ambassade dépend de l'adhésion de chacun à... Je te l'interdis! Continuez de vous offusquer. Quelqu'un approche, sur une machine. Parle. Ouvrez les portes, s'il vous plaît. Ne la laissez pas passer ces portes! C'est un ordre direct! Désolé, impossible. La sauveuse. Même si c'était la douairière reine elle-même, ces portes resteront closes jusqu'à ce que la corne sonne. J'ai été poli. Je ne sais pas quoi faire. Ne te prends pas la tête. Salut, Varl. Salut, Erend. Qu'est-ce qui se passe? Comme d'habitude, Aloy veut quelque chose et les gens essaient de s'y opposer. Ça n'a pas marché. Ça suffit! Qu'on l'arrête!
Vous pouvez toujours essayer. Un petit coup de main? On est paré. Hé, Nozar, espèce d'imbécile heureux, tu crois vraiment être habilité à fermer ces portes à la sauveuse de Méridian? Comment va réagir le roi Soleil Avad en apprenant ce que t'as fait? Il va t'augmenter, hein? Laissez-la passer, les gars. Va sauver le monde. T'aurais pas oublié un truc à Méridian? Écoute, Varl... Ça ne fait rien. Je suis arrivé à temps. Alors la tribu dont Marat nous a parlé, les Ténac, il nous faut leur accord pour aller vers l'ouest? Oui, je me suis dit que ce serait sympa qu'ils essayent pas de me tuer sans arrêt. Mais cette ambassade n'a pas commencé. On va devoir s'imposer? Plus de politique, plus de contretemps. Bon, au moins maintenant tu as de l'aide. Apparemment oui. On verra comment ça se passe. Ceci est la ligne qui sépare l'Est de l'Ouest. Dépasse-la et tu mourras. Attends un peu. Restons calmes. Personne n'entrera dans cette vallée avant notre signal. C'est notre accord avec les Karja. Je ne suis pas Karja. Je suis là en mon nom pour demander un droit de passage. Mais ils t'ont ouvert les portes, il me semble. Que signifie cette violation de l'accord? Pourquoi envoyer une enfant? Ils veulent parlementer, oui ou non? On peut pas se fier aux Karja. C'est comme ça. Oubliez les Karja. Ils n'ont rien à voir avec ça. Je dois aller dans l'Ouest pour sauver des vies. Peut-être les vôtres. Les seules vies que tu peux sauver sont les vôtres. En reculant. Maintenant... Attends! Elle dit la vérité sur un point. Elle n'est pas Karja. C'est une Nora de l'Est sauvage. Si elle veut sauver des vies, ne faut-il pas l'écouter? Laissez-moi lui parler. Accordez cette faveur à un maréchal qui est sur le point d'être emmené. Une Nora rousse et téméraire. Tu dois être celle qu'on appelle la sauveuse de Méridian. C'est juste à l'œil. Fachave l'inflexible. Je suis commandant Karja et dernier représentant de l'armée du couchant. Tu es Fachave? Avad m'a transmis un message pour toi. Il t'attend à Méridian, où est ta place? Avad a toujours été très poli. Tu m'intrigues encore plus maintenant que je sais que le roi Soleil t'a accordé sa confiance. Mais un tel lien avec les Karja pourrait finir par te jouer des tours. Ça a été le cas pour moi. Comme tu peux le voir, il y a quelques tensions. Cette ambassade est une affaire délicate. Ils allaient me livrer à l'Hélium, espérant que ce geste puisse apaiser les ressentiments. Et voilà que sans prévenir, tu arrives. Je ne veux pas causer de problème. Seulement aller dans l'Ouest. Si tu le dis, je pourrais peut-être t'aider. Mais je dois en savoir plus. Et il faut que tu me prouves que je n'aurai pas à le regretter. Je n'ai jamais vu ce genre de tatouage sur un Karja. Les Karja ne voient seulement qu'un ornement. Pour les Ténac, c'est bien plus que ça. C'est le récit d'un exploit. La liste de ceux qu'ils ont vaincus. On dirait que tu en as vaincu beaucoup. J'ai vécu de nombreuses batailles. Mais je sens que ma vie... ainsi que ses dessins, sont loin d'être terminés. Ce côté montre mes exploits martiaux. Avant de mourir, j'aimerais que l'autre soit recouvert avec les lauriers de la paix. Comment tu t'es retrouvé à vivre parmi les Ténac?
C'est une longue histoire, et compliquée avec ça. Cela dit, j'imagine qu'aucun de nous deux n'ira nulle part avant le début de l'ambassade. Tu es sûr de vouloir l'entendre ? Je crois qu'on a le temps. Entendu, alors. J'accompagnais les pillards du Roi Soleil quand ils sont partis vers l'ouest, espérant modérer leurs vils instincts. Bien entendu, j'ai échoué. Ils ont commis les pires atrocités qui soient et ont forcé les Ténac à la riposte. Quand les clans ont pris d'assaut notre avant-poste au sable du Cinabre, je suis resté sur place pour aider les retardataires à évacuer. Et ils m'ont fait prisonnier. Je n'ai pas facilité la tâche de mes ravisseurs, vois-tu. Et ils me l'ont fait payer sur le chemin vers leur capitale. J'avais perdu tellement de sang en route que j'avais l'air d'un cadavre quand ils m'ont présenté au chef Écaro. J'étais sûr que j'allais mourir, alors j'ai tenté le tout pour le tout. Donc quand tu as rencontré le chef Ténac, tu as fait un acte désespéré. J'avais espionné les conversations des Ténac qui m'avaient traîné là, et je les avais entendus parler d'une sorte de procès où il faut combattre pour son honneur. Alors, quand ils m'ont jeté au pied des carreaux, j'ai réclamé ce rite, qu'on appelle Kulrut, dans le but d'obtenir une faveur en cas de victoire. Ma vie, ou même ma liberté. Les autres Ténac ont hurlé, mais Écaro les a tous fixés. Puis son regard s'est posé sur moi. De toute évidence, il appréciait mon ingéniosité. Il m'a autorisé à participer au Kulrut. Je n'avais pas idée de ce qui m'attendait. Tu as dit que le Kulrut est un jugement par combat des Ténac ? Oui. Mais pas un combat comme les autres. Les hommes ne s'affrontent pas entre eux, enfin, pas directement. En fait, les combattants affrontent des machines dans une immense arène, et seuls les plus forts survivent. Et crois-moi, ce n'est pas facile d'affronter une machine en furie devant une foule déchaînée qui veut voir du sang. J'en sais plus à ce sujet que tu l'imagines. Ah oui ? Alors tu as tout mon respect. Comme toi, j'ai survécu pour réclamer mon dû. J'aurais aimé qu'on me libère, mais ça n'était pas une option. J'ai seulement pu servir le chef. Tu t'es retrouvé au service du chef des Ténac. Les vainqueurs du Kulrut doivent servir le chef en devenant maréchaux. Tu as déjà prononcé ce mot, qu'est-ce que c'est ? Le mot maréchal faisait référence à une sorte d'esprit protecteur du passé. En pratique, les maréchaux sont les législateurs itinérants des carreaux, à la fois magistrats, juges et aussi bourreaux. J'ai tout fait pour gagner ma place parmi eux et j'ai servi avec honneur. Mais beaucoup de Ténac crachaient au sol quand je passais devant eux. Ils ont arrêté, quand je les ai cloués au sol en les forçant à mettre leur tête dedans. C'est une solution comme une autre. Comme tu as dû le remarquer, la violence est la langue maternelle des Ténac. Pour survivre, il faut la maîtriser. Et la vérité, c'est que les Karja la parlent aussi. Plus qu'ils ne le devraient. Je ne peux pas en vouloir aux Ténac de les haïr. Alors tu es toujours un Karja ? Une part de moi, oui. Toujours. Mais les Ténac suscitent vraiment l'admiration. En particulier leur chef. J'ai entendu des histoires sur ce qui se passait avant son règne. Trois clans, la guerre permanente, ils s'entretuaient à la moindre occasion. Écaro et ses maréchaux ont instauré une paix fragile. Et maintenant, il se tourne vers l'avenir. Qui sait ? Peut-être que coopérer avec les Karja en fera partie. Les Karja parlent des carreaux comme d'un monstre. Ah, les Karja sont bien obligés de le diaboliser simplement parce qu'il les a repoussés. C'est vrai qu'il est redoutable. La première fois qu'on m'a amené à lui, j'ai cru qu'il allait m'écorcher vif. Mais ce n'est pas le tyran sanguinaire que le Roi Soleil Dément était. Je crois que si tu avais la chance de le rencontrer, comme moi, tu comprendrais qu'il ne veut que le bien de son peuple. J'espère que tu pourras lui parler. Je suis sûr que tu l'intéresserais. Voilà. C'est mon histoire. Tu es la première orientale à l'entendre. Mais pas la dernière. Je dois dire au Karja ce que j'ai appris. Oui.
La façon dont tu parles des Ténac n'a rien à voir avec la leur. Tu es heureux de retourner à Méridian ? Ah, je dois reconnaître que j'apprécierais une nuit dans un vrai lit ou un bon verre de vin des vignobles du sud. Mais j'ai un autre objectif en tête. Le fait de connaître à la fois les Ténac et les Karja me met dans une position unique pour défendre les deux parties. Si le roi Soleil Avad est réceptif, j'espère négocier une paix durable. Les Ténac ne semblent pas pacifiques. En effet, ils ne le sont pas. Mais les temps sont durs pour tout le monde. Et Caro sait que le changement peut être la clé pour survivre, même si cela implique de mettre un terme à des siècles de guerre. Tu voulais savoir pourquoi j'ai besoin d'un droit de passage. Je vais te le dire, mais ma réponse ne te plaira pas. Il y a 6 mois, le monde a failli s'éteindre à Méridian. Cette menace persiste. Elle empire chaque jour, et très vite. Elle provoque des tempêtes, elle empoisonne l'eau et enrage les machines. La source de tout ça se trouve à l'ouest. Et je suis la seule à pouvoir la stopper. J'en ai vu des signes. Et j'ai entendu parler d'événements incroyables à Méridian. Une armée de démons vaincue par une championne aux cheveux roux. Je crois que je suis prêt à te croire. Le fardeau qui te pèse se lit sur ton visage aussi clairement que mes ancrages. Je te donne ceci. C'est la preuve que tu es autorisé à traverser les terres Ténac. Une tâche si importante, et vous n'êtes que deux. Un conseil d'un homme qui rêve de devenir diplomate. Les alliés sont essentiels. Le chef Ekaro connaît l'Ouest mieux que quiconque. Il pourra peut-être t'aider. Il est peut-être intimidant au début, mais ne t'arrête pas à ça. C'est un homme de parole. Peut-être, si j'ai besoin de lui. À toi de voir. Tu le trouveras dans son palais, derrière les montagnes du sud-ouest. Dis-lui que tu viens de ma part, et il écoutera ce que Regardez La bannière du clan du ciel. Maréchaux, ça n'a pas été facile, mais j'ai amené le clan du ciel. Et le commandant ? Non. Je n'ai convaincu qu'une poignée. Il n'est pas au courant de notre départ. Nous avons les bannières des 3 clans. Si le clan du ciel est moins nombreux, qu'il en soit ainsi. Il a raison. Sonnez la corne. Qu'est-ce qui se passe ? Tous les Ténac ne supportent pas l'idée de parlementer avec les Karja, mais quelques-uns d'entre eux ont commencé à le faire. Alors je vais partir. Non, les autres maréchaux ne le permettront pas. Tu voulais un droit de passage, tu l'auras. Après l'ambassade. Les Karja ont ouvert les portes. Le soleil qui s'élève sur un territoire en guerre peut aussi se coucher sur un territoire en paix. Ce jour est... Écoutez-moi, maréchaux. Vous qui vous prétendez Ténac. Regala, la plus grosse erreur du chef Ekaro. Une rivale qu'il aurait dû tuer. Auriez-vous oublié que notre peuple est né dans le sang ? Le sang des Karja ! Et pire, vous avez déposé vos lances au pied d'un chef qui conspire avec l'ennemi ! Ekaro nous a trahis ! Cette ambassade en est la preuve ! Et vous tous, maréchaux, vous êtes ses complices ! C'est pourquoi je vous condamne à mort ! Il te faudra plus que des menaces en l'air pour nous intimider ! Exilés.
sorciers. En formation. Ils montent des machines. Où est-ce qu'ils ont appris à faire ça? Silence. Fashav, rejoins-nous maintenant ou jamais. Archer, incendiez-les. Vite à l'abri. Archer, repoussez-les. Flanc gauche, les Karjas, piétinez-les. Ils n'y arriveront pas. Ouvrez les portes! Karja! Défendez-vous! Tirez à volonté! J'ai pas d'ouverture! Tu peux voir. Il n'y a plus que nous. Hé hey, descendez vous battre à la loyale. Lancier. Au centre. Préparez-vous. Restez à couvert. Marchez sur le rebord. Ils arrivent! On est repérés. Ah! Les machines ne les protégeront pas! Il a eu au bon endroit! Ça suffit! Vous, étrangers, je vais vous écorcher! Chef, accorde-moi l'honneur de ce défi. Accordé. Yeah.
c'est ton tour, petite. Si j'endommage ce bouclier, je peux le briser. Je dois détruire ce bouclier. Là, c'est le moment. Abandonne. Le bouclier est détruit. Il est vulnérable. À nous. Descends et affronte-moi. Non. C'était un défi honorable. Tu as mérité ta survie aujourd'hui. Camarade. Retenez cette journée. Le jour où vous avez décimé les maréchaux et massacré les Karja. Ainsi commence notre guerre contre Hécaro. On se retire. Emmenez-le au camp. Vite. Ça va aller? Tu vas continuer sans moi, c'est ça? Je vais devoir faire avec Erend. Pour l'instant. Allez. Je te ramène au fort. C'est l'heure de la récup, les gars. Il ne supportera pas de choc, mais je devrais pouvoir planer avec. À l'œil. On essaie encore de gérer tout ça. Les Ténacs ont une guerre civile sur les bras maintenant. J'en ai bien l'impression. Les maréchaux ne s'attendaient pas à une attaque de Regala. La délégation Karja entière a été tuée. Nozar, Vadis, Fashav. Un massacre. Que vas-tu faire? Je dois partir vers l'ouest. J'ai plus qu'à espérer que ce droit de passage soit valide. Pour atteindre mon but, je traverserai tout le territoire Ténac s'il le faut. Alors c'est une longue route qui t'attend. Nous ne sommes ici qu'à l'orée de l'ouest prohibée. Les véritables terres Ténac se trouvent au-delà des montagnes bordant Mélopée, la capitale des Houtarou. Ce n'est pas le territoire des Ténac ? Tout ce que tu vois, c'est la terre de nul homme. C'était censé être une terre neutre. Même si cette régala semble s'en moquer. Ces rebelles sont venus par le nord. Avec toutes ces machines qu'ils montaient, ils ont dû établir un camp par là-bas. Les rebelles montaient des fouisseurs. Et il y avait des fouisseurs dans les couars. Les rebelles les auraient fait entrer dans les couars? Comment ils auraient fait? Je ne sais pas. Mais ça vaut le coup de vérifier. Tant que t'y es,
Certains Karja et Oseram sont sortis avant que les portes ne soient fermées pour l'ambassade. Tu pourrais retrouver leurs traces, voir s'ils vont bien. Je peux essayer. Il y a un grand coup dans les environs ? Un grand coup ? Il y en a un, pas loin de la frontière Utaru. Mais pourquoi ? C'est compliqué. Ça me donnera un aperçu de la région. Si tu le dis, y a-t-il autre chose que tu as besoin de savoir ? Fashav a dit que Regala était une rivale. Que le chef des Ténac aurait dû la tuer. Oui, il aurait mieux fait. Elle représente une grave menace. Son attaque était organisée et précise. Jusqu'à ce que tu agisses, en tout cas. Il connaissait la région. Et il savait que Fashav serait rendu au Karja à l'ambassade. Si les Ténac ne l'attendaient pas, elle a dû rassembler son armée en secret pendant des mois. Ils ont dû établir un camp près d'ici. Un endroit où ils pouvaient attendre le bon moment pour frapper. À propos de Fashav. Ah, il a été fait prisonnier par les Ténac. Il a tenu des années dans l'Ouest pour finir par mourir aux portes de l'Hélium. Quelle fin cruelle pour un vaillant soldat. Il ne voulait pas s'arrêter là. Il comptait œuvrer pour une paix durable entre les Karja et les Ténac. C'est trop tard à présent. Qu'est-ce qu'on va faire de lui ? Son corps sera rapporté à Méridian. En tant que cousin du Roi Soleil, il aura droit aux rites officiels et à de dignes funérailles. Une belle fin pour un soldat. C'est terrible pour Nozar et Voidis. Au moins Nozar est mort en combattant. Le prêtre du Soleil... Non. Personne ne mérite une telle fin. Je veillerai à ce qu'ils aient de dignes funérailles. C'est le moins que je puisse faire. Tu as dit que les terres Ténac étaient plus à l'ouest. À quoi je dois m'attendre entre ici et là-bas ? Eh bien, comme je l'ai dit, il y a un territoire nommé la Terre de Nulhom, puis les terres agricoles Utaru. Ensuite, les Ténac. Leur territoire est divisé en trois clans. Le désert, la plaine et le ciel. Ah oui, j'ai vu leur bannière à l'ambassade. Le clan du désert est le plus proche. Oh, méfie-toi d'eux. Là où tout le monde verrait une terre inhospitalière, ils voient un défi à relever. Quelque part au-delà du désert se trouve la capitale, ainsi que les territoires des deux autres clans. Tu n'as pas l'air sûr de toi. Ce ne sont que des rumeurs. Au cours des raids rouges, l'armée Karja a tenté d'entrer sur les terres Ténac. Mais les clans unis se sont dressés contre eux. Ils les ont repoussés jusqu'au couard. Nul autre que les Ténac ne sait ce qui se trouve au-delà du désert. Sauf peut-être les savants à Méridian. Tous ces parchemins doivent bien raconter quelque chose. Tu as parlé des Utaru. Leur terre se trouve entre ici et celle des Ténac ? Exact. Mélopée est leur capitale. Ils sont paisibles, du moins par rapport aux Ténac. Ils préfèrent l'agriculture au combat. Je me demande comment des fermiers peuvent survivre dans l'Ouest prohibé. Oh, tu sais, ça reste un peuple redoutable. Quand les Karja ont été repoussés pendant les raids rouges, leurs guerriers les ont pourchassés dans les champs embrasés de Mélopée. Le Roi Soleil a tenté plusieurs fois de leur proposer la paix, mais jusqu'à présent, sans succès. S'ils sont pacifiques, pourquoi dire non ? Je l'ignore. On dit qu'ils ont des problèmes à gérer, une pénurie de nourriture... Cela pourrait les pousser à faire du commerce, mais... Non. Ils veulent qu'on les laisse tranquilles. Cette région est la terre de Nulhom ? Tout à fait. Avant, les Ténac attaquaient à vue quiconque dépassait Cagnard. Mais quand Avad a renversé le Roi Soleil dément, il a proposé une réconciliation aux autres tribus. Et les Ténac ont accepté d'établir une zone frontalière neutre. Depuis, des Karja et des Oseram sortent explorer ces terres. Mais désormais, il semble que Regala et son armée s'y soient installés. On ne peut pas dire que la région ait été sûre, même en période calme. Les ruines anciennes du sud-ouest en sont la meilleure preuve. Ce sont les vestiges d'une guerre oubliée. Tu as dit que certains sont sortis quand les portes étaient ouvertes. Mais qui ? Eh bien, en plus des ferrailleurs qui viennent de partir, il y a eu d'autres groupes de ratisseurs au Céram. J'ai même vu deux savants Karja partir au sud-ouest avec un groupe d'Oseram.
J'ignore s'ils étaient braves ou tout simplement inconscients. Tu crois que les Karja vont s'opposer à Regala? J'ai l'impression que vous pourriez vous associer au Ténac. Une expédition de l'armée Karja dans l'Ouest pourrait être considérée comme une nouvelle invasion. Le Roi Soleil ne prendra pas le risque. Cela dit, nous ne pouvons pas laisser encore à l'ennemi une occasion de nous attaquer par surprise. Il faut que je me mette en route. Alors bonne chance. Les portes seront toujours ouvertes pour toi si tu souhaites rentrer. Et ne t'inquiète pas pour tes amis. Nous prendrons soin d'eux. Je te remercie. Que le soleil veille sur toi, Aloy. J'espère que tu trouveras ce que tu cherches.